so diva, tu rovdian, hai sana scorco, che lumia ducave, hai c'era chiesa nella, o c'è. Camelma, o Cristo Camelma.
Hello les amis, je suis heureux d'être avec vous pour un temps divin dans la présence de Dieu. Je profite pour saluer toutes les personnes qui nous regardent sur Internet. Soyez les bienvenus, nous sommes connectés ensemble à Dieu. Et je crois que Dieu a un message pour vous. Et la thématique de ce message que je veux vous apporter est simple. Je veux vous parler de prière et de vision. De prière et de vision. Premièrement, il y a toujours quelque chose qui m'interpelle lorsque je regarde la Bible, c'est de voir tous ces hommes et ces femmes qui ont servi Dieu. Parfois, je me pose certaines questions, je me dis, mais je ne suis pas constitué de la même étoffe. C'est vrai, je ne sais pas jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, continuer inlassablement à me tenir devant la présence de Dieu en faveur du peuple comme Moïse. Je ne sais pas m'arracher la barbe, pleurer jusqu'au matin, tout ça pour que le peuple puisse être touché par le message de Dieu comme Jérémie. Enfin, il y a plein de personnes qui nous montrent leur détermination, plein de personnes qui nous montrent combien ils étaient obstinés à servir Dieu. Ils ont tout sacrifié pour être au service de Dieu. Ils ont tout sacrifié, ils ont renoncé à tout pour être des instruments choisis par Dieu. Alors, je me pose certaines questions, je me dis, aujourd'hui, alors que le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, alors que nous sommes les temples du Saint-Esprit dotés de dons, de talents, de capacités exceptionnelles, pourquoi je n'arrive pas à m'identifier à ces personnes? Pourquoi je me dis que ces personnes avaient été placées par Dieu pour un temps, pour une saison particulière? Pourquoi je me dis que je ne peux pas vivre ce que ces hommes et ces femmes ont vécu? En fait, c'est vrai que c'est des questions que je me pose, mais il y a quand même un texte que le Seigneur a laissé qui m'interpelle. Il se trouve dans Jean 14, verset 12, où il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Waouh! Celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres que j'ai faites. C'est quelque chose d'important, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un homme qui le dit, c'est le Seigneur. Et voilà le message de Jésus-Christ pour toi, pour moi. Il nous appelle à vivre quelque chose de particulier, à vivre, à expérimenter le divin dans notre quotidien. Alors, pour revenir en arrière, je me dis que finalement, la seule différence entre ces hommes et ces femmes qui ont servi Dieu dans les temps anciens et vous et moi aujourd'hui se résume à un choix, à une décision. Ces hommes et ces femmes ont décidé de tout sacrifier pour être au service de Dieu. Ces hommes et ces femmes étaient des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de vision. Et ils ont été utilisés par Dieu pour marquer leur temps et leur génération. Il en sera de même pour toi, mon frère. Il en sera de même pour toi, ma sœur. Je ne peux pas croire que Dieu puisse priver aujourd'hui ce monde d'hommes et de femmes qu'il va utiliser pour impacter ce siècle. Nous vivons dans un siècle complètement endurci, complètement perdu. Et je crois que Dieu veut utiliser l'Église aujourd'hui pour apporter le message de l'Évangile. Je crois qu'au travers de toi, au travers de moi, au travers de nous, Dieu veut se manifester pour toucher et transformer des vies. Et c'est vrai que nous aspirons à vivre des miracles de la part du Seigneur. Nous aspirons à vivre des délivrances, des guérisons. Mais je vais te dire une chose, le plus grand des miracles, le seul miracle qui déclenche une fête dans le royaume de Dieu, c'est lorsqu'une personne qui ne connaît pas le Seigneur lui confie sa vie. Les guérisons, les délivrances sont temporaires, mais le salut est éternel. Quand une personne qui ne connaît pas le Seigneur tout à coup donne sa vie à Jésus-Christ, il se passe quelque chose d'extraordinaire, il se passe quelque chose de merveilleux, et il y a une fête dans le royaume de Dieu parce que cette personne passe de la mort à la vie. Et pour étayer, pour enrichir ma prédication d'aujourd'hui, j'aimerais te conduire dans le texte de Néhémie. Néhémie, dans chapitre 1, versets 2 à 4, où il est dit « Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda.
je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie est un homme particulier. Là, alors qu'il est au service du roi, il entend des nouvelles de la part de ses frères qui lui disent que le peuple de Dieu est en danger. Les portes de Jérusalem sont consumées par le feu et le peuple est en danger. Depuis des années, l'élan de la reconstruction s'était estompé, arrêté. Et le résultat, c'est que le peuple est au comble de l'opprobre. Néhémie, lorsqu'il entend cette nouvelle, dans son cœur, il est déchiré. Et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va prier. Il se retranche dans la prière. Néhémie a compris que pour lui, tout se passait, tout devait commencer par un face-à-face avec Dieu. Néhémie avait compris que pour voir Dieu se manifester, pour répondre aux besoins du peuple, premièrement, il devait se retrancher dans la présence de Dieu. Pendant 4 mois, il va prier. Pendant 4 mois, il va chercher le cœur de Dieu. Pendant chaque instant qu'il passait dans la présence de Dieu, il entendait la voix de Dieu afin de recevoir la direction de Dieu, la solution de Dieu, afin d'attendre le temps de Dieu. C'est tellement important aujourd'hui que nous puissions passer du temps dans la prière. Tout commence par la prière. Les plus grands combats, les plus grands réveils débutent et s'achèvent dans la prière. C'est tellement important pour toi, pour moi, de passer du temps dans la prière. Parce que c'est dans la prière que tu entends le cœur de Dieu. C'est dans la prière que tu es revêtu de sa puissance. C'est dans la prière que tu saisis la vision de Dieu pour ce monde actuel. C'est dans la prière que tout se passe. C'est dans la prière que réellement tu es imprégné, chargé du fardeau de Dieu pour les âmes. Depuis combien de temps tu as cessé de prier pour les gens qui t'entourent? Depuis combien de temps tu as cessé de prier pour tes voisins et pour ce monde? Depuis combien de temps tu lèves les mains vers Dieu simplement pour lui dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ça fait combien de temps que tu ne lèves plus la main devant Dieu pour ceux qui se meurent à l'extérieur? Ça fait combien de temps que tu as perdu ta vision, ta passion? Ça fait combien de temps que tu pries Dieu simplement pour qu'il réponde à tes besoins? Je crois qu'aujourd'hui, le message de Dieu pour nous, pour l'Église, c'est de se tenir dans sa présence. Se tenir dans la présence de ton Dieu, ça sera l'assurance pour toi d'apprendre à connaître son cœur. Il y a plein de personnes qui pensent connaître Dieu, mais finalement, ils ne laissent jamais Dieu se révéler personnellement à eux. Et si tu as besoin de connaître dans l'intimité ton Dieu, alors il faut que tu prennes du temps dans sa présence. Peut-être que tu es en train de me dire, Yanis, je suis OK avec ça, mais regarde mon emploi du temps, je n'ai pas le temps. Mes journées sont chargées. OK, tu n'as pas le temps, peut-être que tu bosses, peut-être que tu as les enfants à gérer, mais tu peux te lever une heure plus tôt. En fait, si tu veux donner du temps à Dieu, crois-moi, tu vas trouver du temps. Mais la prière, c'est ton oxygène spirituel. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui se meurt, c'est quelqu'un qui est vide, c'est quelqu'un qui est sec et aride. Quand tu ne pries pas, il n'y a rien qui se passe dans ta vie. C'est quand tu pries que tout commence. C'est quand tu pries que tu entends la voix de ton maître, de ton berger. C'est quand tu pries que tu es chargé de sa puissance. C'est quand tu pries que le Saint-Esprit prend toute sa place dans ta vie. C'est quand tu pries que
que tu te tiens debout dans sa lumière, c'est quand tu pries que tu es prêt pour aller combattre à l'extérieur. C'est quand tu pries que tu es revêtu du discernement de Dieu. C'est quand tu pries que tu es apte à prendre des bonnes décisions. Quand tu pries. Alors ne pas prier, c'est te priver toi-même. Ne pas prier, c'est t'affaiblir dans ta vie spirituelle. Ne pas prier est un échec. Il faut que tu pries parce que tout commence par la prière. Et après ces temps de prière, il nous est dit que Néhémie, chapitre 2, verset 2, eh bien, va être confronté à une question. Le roi lui dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage ? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. » Au verset 4, il est dit, « Et le roi me dit, que demandes-tu ? Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Waouh ! Néhémie a saisi l'opportunité. À cette époque, il travaillait comme échanson du roi. Il lui servait du vin. C'était un bon travail. Il ne manquait de rien. Il était dans sa zone de confort. Et il aurait pu dire, « Seigneur, permets que Jérusalem soit rebâti. » Il aurait pu dire, « Seigneur, envoie des hommes là-bas. Seigneur, je me tiens devant toi et je prends l'engagement d'intercéder continuellement en faveur de ton peuple. » Mais au lieu de cela, Néhémie était prêt à aller au combat. Néhémie était un homme de prière et de vision. C'est un homme de prière et d'action. Soyons réalistes. Nous vivons dans une société qui est en ruine. Le monde a des allures de cimetière à ciel ouvert. Les gens sont morts, quoique vivants. Et quelle est notre attitude devant cela ? Alors que nous prenons du temps dans la présence de Dieu, alors que nous allons à l'église pour entendre le message de l'Évangile, alors que nous sommes galvanisés par la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons ? Quelqu'un a dit, l'arme la plus cruelle du 21e siècle, c'est l'indifférence. L'indifférence. Passer à côté de quelqu'un qui est en train de mourir, passer à côté d'un drogué, d'un alcoolique, d'un religieux, d'un barbu, passer à côté de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, sans rien dire, sans même lui adresser une parole, sans même lui tendre une main, c'est de l'indifférence. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, oui, c'est bien d'aller à l'église. Oui, c'est bien de passer du temps dans la prière. Mais il faut également mettre tout cela en pratique. C'est ce que Dieu attend de nous. Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà le mandat de Dieu. Ce que Dieu veut, ce que Dieu souhaite, c'est que vous et moi, nous puissions aller, nous déplacer, faire un mouvement vers l'avant, ne pas rester assis confortablement dans notre chaise, dans notre zone de confort, là où tout va bien, là où les gens prient pour nous, là où les gens nous exhortent, nous encouragent, là où finalement on est dans un spa spirituel, dans un jacuzzi spirituel. Non, ce que Dieu attend de toi, c'est un mouvement vers l'avant. Il faut que tu descendes dans la vallée, là où les gens se meurent, là où l'ennemi fait rage, là où l'ennemi égorge et tue. Il faut aller au contact des perdus, voir ces personnes qui sont complètement détruits par le péché pour leur annoncer le merveilleux message de l'Évangile. Je crois, je suis même convaincu que c'est la vision de Dieu pour aujourd'hui. Je dis que c'est la vision de Dieu pour toi et pour moi. Je me souviens de ce jour où je suis en train de discuter avec un pasteur dans son église. Tout à coup, là, je me mets à pleurer. Pas dans mon style, hein, mais le pasteur m'interpelle, il me dit, « Mais qu'est-ce qui se passe, Yanis ?» Alors, je dis, « Regarde, pasteur, tu vois la banque qui est là ?» Il me dit, « Oui, ça fait des années qu'elle est là. » Je dis, « Oui, je sais. Tu sais, il y a 5 ans en arrière, je me suis caché derrière ton église en attendant les employés de cette banque que j'ai pillée sans ménagement. Et là, je suis avec toi en train de discuter. Tu vois, il y a, y, a,
n'y a qu'un mur qui nous sépare de cette banque. Mais je ne peux pas m'empêcher de remercier Dieu pour cette femme qu'il a mis à mes côtés. Cette femme qui n'a pas eu peur de descendre dans ma vallée. Cette femme qui n'a pas eu peur de venir à moi, l'homme mauvais, rejeté, l'écorché, pour me dire que Jésus-Christ m'aimait. Cette femme qui a mis ses pieds dans ma boue pour m'apporter la lumière de Dieu. Et elle avait une vision, elle avait un message, et le résultat, il est là. Dans Ézéchiel 37, je t'encourage à lire ce texte chez toi. À partir du verset 1 à 6, il est question d'Ézéchiel qui va être positionné par Dieu dans une vallée d'ossements. C'est un cimetière. Et cette vallée représente le peuple d'Israël qui est mort. Et Dieu pose une question à Ézéchiel. Est-ce que ces eaux peuvent revivre ? Ézéchiel aurait pu dire, Seigneur, c'est pas possible. Parce que tout est mort, tout est sec. Il n'y a pas une once de vie là. C'est un cimetière. Mais Ézéchiel ne se laisse pas aller à ce type de réflexion. Ézéchiel va dire, Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Alors Dieu va dire à Ézéchiel, proclame la vie, prophétise, prophétise. Proclame la vie. Et alors que Ézéchiel est en train de proclamer la vie sur ses eaux, tout à coup, l'Esprit de Dieu entre et apporte la vie là où il n'y avait plus rien. Je crois que nous sommes appelés à vivre quelque chose de particulier. D'un côté, lorsque nous voyons notre société, il y a de quoi s'inquiéter. C'est vrai, tout va mal avec ce fichu Covid. Les gens ont peur, ils sont terrifiés. La mort frappe partout. Nos enfants ont peur. Notre jeunesse a peur. L'économie s'effondre. Tout s'effondre dans ce monde. Oui, il y a de quoi être inquiet. Mais d'un autre côté, la parole de Dieu, elle doit nous rassurer. Jésus-Christ a dit, vous ferez de plus grands miracles que moi parce que moi, je m'en vais au Père. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu n'est pas confiné dans son royaume. Non, c'est que Jésus-Christ est toujours apte, disposé à accomplir des choses merveilleuses au travers de toi. C'est que le temps des miracles n'est pas fini. Je dis que le temps des miracles n'est pas fini. Tu te dis peut-être, mais ça c'était pour hier. Aujourd'hui le monde est trop endurci, il y a trop d'incrédulité. Jamais un réveil peut se produire. Il y a tellement de barrières, tellement de limites qui nous freinent et qui sont susceptibles de nous stopper. Tellement de peurs qui nous terrorisent et qui nous enferment dans nos églises. Mais moi, je ne veux pas m'appuyer sur ça. Je n'ai pas envie de m'appuyer sur ça. Parce que Dieu ne m'a pas placé sur la terre pour que je voie la misère au quotidien. Dieu m'a placé sur la terre pour que je voie sa gloire s'accomplir, se manifester. Moi, je crois que ce que Dieu a dit hier, il est encore capable de l'accomplir aujourd'hui. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que Dieu dit est vrai. Mais la seule différence, c'est nous. La seule différence, c'est une prise de position. C'est une décision. Ce n'est pas Dieu qui n'agit pas. C'est nous qui empêchons Dieu d'agir. Quel est le jour où on va commencer à être au service de Dieu? Quel est le jour où tu vas commencer à annoncer sa parole? Quel est le moment où tu vas saisir l'opportunité que Dieu te donne pour proclamer le merveilleux message de l'Évangile? Le monde se meurt et les gens ont besoin d'entendre ce que Dieu a fait dans ta vie. Es-tu disposé? Es-tu disponible? Vois-tu oublier ce jour où tu as prêté allégeance à Jésus-Christ? Où tu as dit, oui Seigneur, je veux te servir, je veux marcher avec toi, utilise-moi. C'est tellement facile de chanter des louanges, Seigneur. Façonne-moi, brise-moi, je suis de l'argile, tu es le potier. Mais qu'en est-il dans le concret? Est-ce que tu es disposé à laisser Dieu t'utiliser, non comme tu le veux, mais comme lui le souhaite? C'est ton temps, c'est ton moment, c'est l'opportunité aujourd'hui que Dieu donne à l'Église
pour se manifester, pour se distinguer. Néhémie était un homme de vision. Néhémie était un homme d'action. Et il est parti à Jérusalem avec cette vision. Tu es capable. Ça faisait plus d'un siècle que rien ne s'était passé au sein de Jérusalem. Mais il est parti mandaté, revêtu de la puissance de Dieu. Et il va dire au peuple, Dieu est capable. Je dis que Dieu est capable. Dieu est capable d'apporter la vie là où il y a la mort. Dieu est capable. Ce n'est pas toi qui agis, mais c'est Dieu qui agit au travers de toi. Laisse-le faire. C'est ce que j'aime quand je vais en prison. J'en comprends pas comment on peut affectionner les maisons d'arrêt. Moi, j'aime aller en prison. Ce n'est pas la prison que j'aime, c'est les gens qui sont là-dedans. Parce que c'est des personnes que Dieu veut sauver. Parce que c'est des personnes à qui on doit partager le message de l'Évangile. Ce sont des personnes qui sont en train de mourir. La prison en elle-même, c'est la maison du diable. Mais c'est dans cet endroit que nous devons apporter le message de l'Évangile. Je me souviens d'une fois où je suis dans une prison en Côte d'Ivoire. Je prêche l'Évangile. À la fin, il y a une personne qui vient me voir et qui me dit, Yanis, j'ai grandi dans une famille de sorciers et toute ma vie, j'ai cru que j'étais destiné à servir les puissances occultes. À un tel point qu'un jour, mon épouse et moi, nous avons décidé d'offrir notre bébé en sacrifice vivant à Satan. Alors nous allons nous mettre en action. On va à la plage et on enterre cet enfant. Un chien a reniflé son odeur et a déterré l'enfant. Il a retrouvé l'enfant et l'enfant n'était pas mort. C'est pour ça que je suis en prison. C'est pour ça que j'ai été incarcéré. Mais là, Yanis, je viens d'entendre le message de l'Évangile. Et Dieu m'a parlé. Dieu m'a révélé qui j'étais. Non, je ne suis pas le fils du diable. Je ne suis pas destiné à servir le diable. J'ai compris aujourd'hui qu'en donnant ma vie à Jésus-Christ, je devenais un enfant de Dieu. Alors me voici, pasteur, me voici. Je veux accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais c'est pour ça que je vis. Et ça, ce n'est pas le travail d'un homme. C'est la puissance de Dieu. L'heure vient et elle est déjà venue où les hommes entendront la parole de Dieu, où les morts entendront la parole de Dieu et vivront. Une seule parole de Dieu. Je n'ai pas dit tout un discours, je n'ai pas dit tout un sermon. Une seule parole de Dieu peut apporter la vie là où il y a la mort. Une seule parole de Dieu peut apporter la vie là où il y a la mort. C'est ça la réalité. En 52 jours, je dis bien 52 jours, Néhémie et son équipe ont achevé le travail de la reconstruction des murailles de Jérusalem en 52 jours. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions regarder la réalité en face. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce que tu vois et puis il y a ce que Dieu va faire. J'aimerais te dire que Dieu connaît la fin de l'histoire. Dieu connaît la fin de l'histoire. Dieu connaît la fin de l'histoire. Tu es un privilégié. C'est une grâce que Dieu nous a faite, que de pouvoir lui appartenir. C'est un honneur qu'il nous fait, que de pouvoir le servir. C'est un privilège qu'il nous donne que de pouvoir être spectateur de la manifestation de sa puissance. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois un acteur, un acteur. Alors agis, laisse-toi faire, laisse-toi guider, laisse-toi conduire. N'attends pas d'être derrière un pupitre pour commencer à témoigner, à publier le message de l'Évangile. Non, la rue même, c'est un pupitre ambulant. Et chaque personne que Dieu met sur ta route,
c'est une opportunité qu'il te donne pour témoigner de tout ce qu'il a fait dans ta vie. Tu as quelque chose à raconter. Ne dis pas, je n'ai rien à dire. Si, tu as quelque chose à raconter. Ne serait-ce que ta rencontre avec Dieu. Tu n'as pas besoin de faire de la théologie pour raconter ton témoignage, pour raconter ta vie. Moi, ce n'est pas tout un sermon qui m'a touché, qui a impacté mon cœur. C'est un mot, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ces quelques mots ont bouleversé ma vie. Il ne faut pas faire de la théologie pour dire à une personne qui se meurt que Dieu l'aime et que Dieu veut le sauver. Non, ouvre ta bouche, Dieu va la remplir. Et alors que tu tends tes mains pour prier pour les perdus, Dieu va agir, Dieu va agir. Dieu n'agit pas simplement dans les murs d'une église. Dieu agit aussi à l'extérieur. Je dis que Dieu agit aussi à l'extérieur. Là où il y a les ténèbres, il manifeste sa gloire et sa lumière. Alors donne-lui l'opportunité et tu verras que le temps des miracles n'est pas révolu, que le temps des miracles n'est pas fini, que Dieu agit encore aujourd'hui. Et il veut le faire avec toi. N'évalue pas la grandeur du défi, mais laisse-toi guider par Dieu et vis ton miracle. Vis ton miracle. Peut-être que cette vallée d'ossements desséchés, c'est ta maison. Peut-être que c'est ta ville. Peut-être que c'est le pays dans lequel tu es. Dieu te confronte à cette réalité. Mais je te demande de ne pas évaluer la grandeur du défi par rapport à ce que tu vois. Crois simplement et vois la gloire de Dieu se manifester. Crois simplement et vis ton miracle. Obéis simplement et laisse Dieu faire. Et il fera ce qu'il a dit parce qu'il agit fidèlement à sa parole. Il fera comme il a dit, parce qu'il ne reniera jamais sa parole. Nous allons prier. Mais je veux terminer en te disant, que Dieu te cherche. Dieu te cherche. Ésaïe 6, verset 8, il est dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, envoie-moi. » Tu entends ce que Ésaïe a dit au Seigneur. « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour moi ?» Ésaïe dit, « Me voici Seigneur, utilise-moi, envoie-moi. » Ésaïe sait où Dieu va l'envoyer. Toi, tu dis, « Seigneur, envoie-moi sur tes sommets. Ouais. Envoie-moi dans une zone de confort où tout est déjà fait. Envoie-moi derrière des caméras. Envoie-moi dans des stades. Envoie-moi là où il y a la foule afin de publier le message de l'Évangile. Envoie-moi là où il y a tes miracles. Envoie-moi là où il y a des réveils. Envoie-moi là où il y a une grosse communauté chrétienne. Envoie-moi là où tout est confortable. » Mais pourquoi Dieu va t'envoyer là-bas si tout est fait? Pourquoi Dieu va t'envoyer là-bas? Tu sais pourquoi tu es sur la terre? Tu es laissé sur la terre parce que Dieu veut sauver le monde. Tu es laissé sur la terre parce que Dieu veut t'utiliser afin d'apporter la lumière dans ces ténèbres. Parce que le désir de Dieu, ce n'est pas que le pécheur se meure, non. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Tu es la bouche de Dieu. Tu es les mains du Seigneur. Tu es les pieds du Seigneur. Et Jésus-Christ sur la terre était au contact des pécheurs. Jésus-Christ sur la terre tendait la main aux parias, à ceux qu'on avait rejetés. Jésus-Christ sur la terre allait dans ces lieux impurs, là où il y avait la mort pour apporter la vie. Alors le Seigneur va t'envoyer. Il va t'envoyer dans la vallée
revêtu de sa puissance afin d'apporter le message de l'Évangile. Il va utiliser ta bouche, il va utiliser tes mains pour faire des miracles. Il va utiliser tes pieds pour descendre dans la vallée, là où il y a les ténèbres, afin que tu puisses apporter sa lumière. C'est pour ça que Dieu te parle aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu t'interpelle et il te dit, est-ce que tu es prêt à me suivre? Toi qui m'as accepté, qui as décidé de tout sacrifier, de renoncer à tout, est-ce que tu es prêt à me laisser faire? Est-ce que tu es prêt à me laisser faire? Et alors que tu dis oui, tu verras. Tu verras finalement pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Tu verras pourquoi Dieu a permis que tu naisses aujourd'hui et pas hier. Tu verras les dons et les talents que Dieu enfouit en toi. Tu verras que le doigt de Dieu va écrire une histoire divine dans ta vie. Seigneur, merci pour ton enfant. Je crois que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, il se passe toujours quelque chose dans les cœurs et dans les vies. Tu es celui qui réveille les consciences. Non, tu ne veux pas nous voir dans une zone de confort. C'est pourquoi tu nous interpelles encore aujourd'hui. C'est pourquoi tu viens nous parler, Seigneur, pour nous rappeler la vision que tu as pour ce monde. Seigneur, nous te demandons pardon de nous être détournés, Seigneur, de ton appel. Te demandons pardon, Seigneur, de ne pas avoir parlé alors que tu nous demandais de parler. Te demandons pardon, Seigneur, d'être resté sur notre chaise alors que tu nous appelais à avancer, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas avoir pris le temps, Seigneur, nécessaire avec toi afin de recevoir ta vision et d'entendre ton cœur. Te demandons pardon, Seigneur, d'avoir cherché constamment, inlassablement notre volonté, Seigneur. Te demandons pardon, pardon, Seigneur, d'avoir cherché nos intérêts au détriment des tiens. Comme Ésaïe, Seigneur, nous nous présentons devant toi maintenant et nous te disons, envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, dans ce monde, afin d'apporter ta lumière. Envoie-nous, utilise-nous, Seigneur, comme tu le veux, comme tu le souhaites, Seigneur, afin d'apporter la vie là où il y a la mort. Merci, Seigneur, parce que tu vas envoyer également des personnes qui ne te connaissent pas sur notre route. Merci, Seigneur, parce que tu vas utiliser, Seigneur, notre être entier, Seigneur, pour témoigner de toi, de la véracité de ta présence dans notre vie. Permets que nous puissions être des témoins vivants partout où nous allons, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, entrer dans ton appel, dans ton mandat. Merci, Seigneur, parce que tu réveilles mon zèle, ma passion. Oui, Seigneur, tu permets que je puisse me retrancher dans ta présence. Tu permets que je puisse entendre ton cœur battre, Seigneur, pour ce monde. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Je crois, Seigneur, que tu vas réveiller mon pays. Je crois que tu vas réveiller ma vie. Je crois que tu vas réveiller ma famille. Je crois que tu es capable de faire un miracle aujourd'hui, Seigneur. Oh, je le crois, Seigneur. C'est pourquoi j'aspire à cela. Envoie-moi, Seigneur. Utilise-moi. Telle est ma prière. Amen. Amen et Amen. Voilà les amis, j'espère que à travers de ce message, Dieu vous a parlé. En tout cas, moi, il m'a interpellé. Vous savez, il faut toujours se laisser faire par Dieu. On n'est rien, il est tout. Parfois, même avec des années d'expérience, on s'aperçoit que dans sa présence, tout s'efface et tout commence. Parfois, il faut se laisser challenger par Dieu, renouveler par Dieu, vivifié, boosté, encouragé, dynamisé par Dieu. On en a tellement besoin. On a besoin de combustible divin pour avancer. Alors, je t'encourage à garder
ce message dans ton cœur, à passer du temps dans la présence de Dieu, à te remplir de la présence de Dieu. Et puis, va à l'extérieur et déverse-toi, oui. Remplis les cœurs de ceux que tu rencontres de l'amour de Dieu. Donne-leur ce que Dieu t'a donné. Et tu verras que finalement, ce que Dieu a accompli hier au travers de la vie de nos pères, eh bien, il va l'accomplir aujourd'hui au travers de ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Ciao.